And now we switch back to French avec Lisette Flores Diaz, Liz Arlette, pardon, excusez-moi, dont la présentation s'intitule « La proposition esthétique de la précarité » dans le roman « The Story of My Teeth » de Valeria Luiselli. Liz Arlette est professeure certifiée d'espagnol et doctorante au sein du laboratoire Améribert à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle réalise une thèse sur les écritures autofictionnelles des écrivaines chicanas. Elle a participé au cœur de l'organisation de divers colloques et journées d'études, notamment à la 11e journée des doctorants d'Améribert, Vieillesse, expérience et représentation en 2021. Parmi ses dernières publications, on compte Niveles discursivos de la voz testimonial del jardinero sedano, un ejercicio representativo del abuso de poder dans la revue Caravelle en 2021 et El objeto libro en tres ejemplos latinoamericanos sobre el formato y su contribución al juego de la literatura dans la revue Argos en 2020. Elle s'intéresse à la traduction, l'enseignement des langues étrangères, l'autofiction, la littérature mexicaine, le spanglish et la littérature chicana. Bon, bonjour, merci beaucoup et merci beaucoup aux organisatrices. Et donc je suis très contente parce que je vais continuer sur la littérature et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui en fait... parle des romans du 19e siècle, mais aussi de la surconsommation, donc c'est assez intéressant, je trouve. Alors, je vais juste essayer de bouger ça, pour pouvoir lire mon travail. Si je suis comme ça, vous m'entendez? Oui, ok. Alors, mon travail s'intitule « La proposition esthétique de la précarité » dans le roman « L'histoire des médans », donc « The Story of My Teeth » de Valeria Luiselli. Ce travail de recherche portera sur la relation prépondérante entre l'humain, ses produits, productions, déchets et l'environnement. Nous verrons que ces schémas relationnels ainsi que les questionnements qu'ils suscitent prévalent dans les différentes étapes du roman et débouchent sur ce que j'appelle une proposition esthétique de la précarité. À travers le discours baroque du narrateur Gustavo Sanchez Highway, il sera démontré avec humour que la valeur des objets est proportionnelle au discours qui leur est attribué. À travers la tropicalisation du métier de commissaire-priseur, le roman interroge la valorisation des objets et de l'espace, en même temps que étayé par divers supports, dont photos de Google Maps, produits et expressions culturelles, il propose une nouvelle esthétique qui oscille entre le manque et l'abondance. Pour ceci, une étude en trois temps est proposée. Dans une première partie, nous traiterons la extratextualité du roman, nécessaire pour comprendre l'esthétique proposée dans The Story of My Teeth. Dans la deuxième partie, nous nous concentrerons sur la figure du narrateur et sur la valeur des objets. Et finalement, dans la troisième partie, nous annoncerons les bases esthétiques de la précarité. Je voulais simplement rappeler qu'il s'agit d'un travail toujours en cours. Donc, c'est pas conclusif. Non, prélude. Valeria Luiselli se positionne sans aucune doute comme l'une des voix les plus importantes de la littérature contemporaine. Les univers narratifs complexes qu'elle construit vont de la fiction à la non-fiction et oscillent entre les livrets de ballet, livres-objets, romans, essais et essais sonores. Cela souligne non seulement l'intérêt expérimental de l'auteur à façonner ses récits avec des matériaux qui correspondent également au discours intermédial propre de notre temps. Luiselli, récemment lauréate du prix littéraire international de Dublin, 2021, elle devient la première mexicaine et la cinquième femme à recevoir un prix aussi convoité. Son œuvre transcende les frontières géographiques, elle est ancrée dans deux traditions littéraires, la littérature mexicaine mais aussi la littérature latino aux États-Unis. Elle écrit et publie en espagnol et en anglais, mais elle reste également une traductrice active, réécrivant souvent lorsque ses œuvres doivent être traduites. Ainsi, une des complexités de l'analyse de son travail réside dans la multiplicité des visages qu'offre un même récit. Métamorphose poussée à l'extrême justement avec The Story of My Teeth, puisque non seulement la forme du livre se transforme d'une langue à l'autre, mais dans le cas de la version espagnole, elle a varié déjà selon les rééditions.
les éléments extratextuels convergent dans ces romans. Et dans ce cas particulier, ils sont indissociables de l'œuvre. Le roman montre avec une approche critique les conséquences du système capitaliste dans les pays dits en voie de développement. The Story of My Teeth est présenté en 6 chapitres appelés « livres », plus un épilogue dans son édition anglaise. Le livre est également composé par des paratextes de biscuits chinois qui apparaissent avant chaque chapitre, des photographies d'images de Google Maps et d'illustrations. La présence de tous ces éléments permet de considérer le roman comme un livre-objet qui révèle à tout moment, en filigrane, la relation indissociable et parfois peu évidente entre les ouvriers de l'usine de jus Humex et la fondation Humex, une importante collection d'art contemporain. Tant l'usine comme la fondation sont situées à Ecatepec, une municipalité de l'État de Mexico, une région adjacente à la capitale du pays. Le roman en question apparaît comme le second fil conducteur d'une réflexion en trois temps. Donc, le premier fil, c'est l'exposition The Hunter and the Factory, El Cazador y la Fábrica, une exposition collective de la fondation et collection Humex. Deux, le roman The Story of My Teeth, La Historia de mis dientes, de Valeria Luiselli. Et trois, le livre El Cazador y la Fábrica, édité par la fondation Humex Art Contemporain. L'écriture de ces romans est commandée par le catalogue déjà mentionné de la collection d'art contemporain. Cette collection est l'une des plus importantes de l'Amérique latine. Le nom de l'industrie Humex aux multiples facettes, donc il y a une collection d'art, une galerie, une bibliothèque, un musée, mais le nom en tout correspond au tronc dont elle est née et qui l'alimente fondamentalement, donc une usine de jus. Humex, Jugos de México. Ceci est un détail curieux qui éclaire les relations rhizomateuses et souvent étranges que génère la postmodernité et qui semble issue de la fiction. Quant à d'autres éléments de Ecatepec de Morelos, un espace dans lequel se déroule la diégèse du roman et que nous verrons en détail plus tard. Le roman est écrit à la manière de romans du 19e siècle, comme un feuilleton. Le rythme de l'écriture imite le surnommé « écrivain à vapeur » du 19e siècle. L'avancement du roman ont été envoyés de New York et imprimés à Ecatepec dans des formats peu coûteux. Une fois au Mexique, les feuilletons ont été lus et commentés par un groupe d'ouvriers de l'usine de jus Humex. Ces discussions ont été enregistrées et renvoyées aux États-Unis pour la rédaction de l'intrigue. Nous observons que le roman, de la même façon que les deux autres fils de réflexion, plonge dans la relation entre l'art et l'espace urbain et les villes périphériques de la capitale mexicaine. Réflexion à travers lesquelles on cherche à établir un lien entre, et je cite, un moment de la peinture moderniste du fin du 19e siècle où l'usine et les ouvriers d'usine ont commencé à apparaître dans la peinture moderne, fin des citations, et les espaces contemporains qui subissent les conséquences de cette même industrialisation. Le rôle des ouvriers en tant que lecteurs rappelle le métier de lecteur de tabac, né à Cuba au milieu du 19e siècle. La création de ces métiers, je cite, est attribué à Nicolas Arzate, un journaliste militant abolitionniste qui a des idées en pratique dans une manufacture de cigarettes. La pratique s'est répandue dans les autres pays de l'Amérique latine, plus disparus au XXe siècle. Fin des citations. À travers cet exercice littéraire, Luiselli entraîne sur un terrain concret la ligne directrice de la commande et établit une relation directe et collaborative entre les ouvriers et les artistes. En plus de créer une véritable écriture performative qui non seulement rappelle que les intersections entre le monde de l'art et l'industrie existent depuis la création de cette dernière, mais aussi à travers ce procédé anachronique, souligne les conséquences et les paradoxes générés par l'idée du progrès, de l'abondance et du manque comme vase communicant entre le nord et le sud. Bien que le roman ne s'attarde pas sur les récits détaillés d'Ecatepec, il est clair que l'emplacement est mis en évidence.
Au lieu de s'attarder sur des descriptions, il est décidé d'utiliser les photos tirées de Google Maps pour montrer l'espace de manière plus réaliste, tout en laissant la liberté à chaque lecteur d'estimer les qualités de Catepec. Est-ce qu'il y a de la beauté, de l'esthétique dans cette zone périphérique ? Selon quels critères peut-on juger l'absence ou la présence de beauté architecturale ? Bon, ici, j'avais déjà mis une photo d'Ecatepec. Et à côté, c'est une photo aussi de Hugo Rondinone, un des artistes qui a créé l'exposition sur laquelle le roman s'est basé. Donc déjà, on peut déjà créer un autre travail de ça, parce qu'il y a quand même, l'un c'est la nature et l'autre c'est une zone périphérique. Bon, je continue. À travers ces images, la sémiotique urbaine est présentée, mettant en lumière ses potentialités littéraires et artistiques. Ces captures d'écran permettent de superposer des espaces réels qui semblent fictifs. Par exemple, je veux avancer. Voilà. Par exemple, la rue Ici J'habite, à Kiwiwo, et la rue Disneylandia. Déjà, ça, c'est une photo des noms de rues qui existent véritablement à Ecatepec. Donc déjà, on voit quand même une surposition de l'espace états-unien. Il y a Houston, Dallas, California, Disneyland, mais aussi il y a des noms de personnages cultes. Bon. Je vous avais mis aussi l'image de lecteur au 19e siècle, au 20e siècle, pardon, dans une industrie de tabac à Cuba. Et ça, c'est l'entrepôt Jumex. Donc, l'image, elle n'est pas très bonne, mais en fait, c'est un entrepôt dans un endroit industriel avec cette image, Love Inventus. On dirait que c'est presque une blague, mais bon, ça existe. C'est une œuvre d'art sur un entrepôt au milieu d'un endroit qu'on imaginerait. Enfin, on ne ferait pas forcément la relation. Soulignons les potentialités littéraires qui apparaissent intrinsèquement dans cette municipalité. En ce sens, un parallèle peut être établi avec la théorie de l'hyperréalité énoncée par Baudrillard et l'exemple célèbre des cartographes de Jorge Luis Borges. Ce qui précède met précisément l'accent sur les caractéristiques des ouvriers du cygne du 19e siècle et des ouvriers actuels, dont le travail, comme on le dit dans le roman, a été précarisé tout au long du siècle dernier. Notre narrateur, pour tenter de sortir de cette précarité, suit une formation et des cours constants qui lui promet d'avoir un meilleur salaire, un meilleur poste. L'accumulation d'instruction et d'éducation dans un mouvement inverse le depuis de son poste. Highway prend l'initiative entrepreneuriale, comme beaucoup de personnes surqualifiées dans les pays du Sud, de créer son propre emploi. Mais celui-ci n'est qu'un autre visage de la précarité perpétuelle de l'emploi. Dans les parcours de la vie de Gustavo Sánchez Highway, nous assistons au processus qui l'amène à devenir le meilleur chanteur d'enchères au monde. Highway incarne la paradoxe de l'âge de l'abondance, entre commissaire-priseur dans un espace marginal. Les caractéristiques de Highway le placent dans la ligne des héros anti-héros don quichotesques, qui malgré les contraintes, maintient l'innocence et la bonne humeur. Dans The Story of My Teeth, un certain Samuel Pickwick est cité, personnage à qui l'on doit le leitmotiv de Highway. Nous identifions ensuite The Pickwick Papers de Dickens comme l'un des hypothèques du roman, et qui a été également écrit comme un feuilleton. Non ? En même titre que Samuel Pickwick, d'autres noms de personnages fictifs et historiques apparaissent. L'excès des références façonne le sens sémiotique de Catepec, sens qui ne sera pas le même en anglais ou en espagnol, puisque certaines références changent selon la tradition littéraire des lecteurs. L'excès des références cultes et populaires crée plutôt un effet de vide. Chaque référence est d'abord vidée de son sens. Si dans l'art contemporain on voit que les objets usuels se remplissent de sens en les sortant de leur contexte et en les
et mais non dans une galerie, dans ces cas, c'est l'effet contraire. Comme on l'a montré au fil de page, le roman est traversé par une tension entre deux éléments d'ordre différent, étant ainsi Ekatepec l'espace dans lequel tout cela converge. Cette volonté dichotomique s'observe également dans le nom de certains personnages comme Miguel Sánchez Sánchez Foucault, Marcelo Sánchez Proust ou Juan Pablo Sánchez Sartre, voire Fredo Sánchez Dostoïevski ou Ludwig Sánchez Wittgenstein. Des noms dont la valeur est équiparable puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Il s'agit des références cultes et populaires. Pour mieux comprendre la valeur de cette double apparence, appartenance périphérique et canonique des personnages, il faudra se souvenir de l'ouvrage de Oscar Lewis, Les enfants de Sánchez, Los hijos de Sánchez. C'est un travail anthropologique. C'est des hérités des années 60 à Mexico, habitants moins privilégiés qui ont été progressivement expulsés de la capitale en raison de la gentrification vers les zones périphériques. Sont zones surpeuplées aujourd'hui, des espaces gris qui se multiplient à travers le monde mais qui personne ne veut regarder. Là où se produit ce qui sera consommé ailleurs et en même temps l'espace où l'on produit ou non, où les produits reviennent sous une forme de déchets. Comme le rappelle le surnom de Gustavo Sánchez Sánchez Highway, c'est une zone de transit, une route ouverte, une veine vide ou saturée selon ce que l'on regarde. Highway construit un espace hétéroclite à travers un discours baroque entre cultisme, expressionnisme, expression familière, mexicanisme et archaïsme. Notre Quichotte incarne l'archétype de la double filiation de quelqu'un qui vient d'un espace marginal à l'époque de la mondialisation. Highway accorde de la valeur à des objets sans réelle valeur matérielle par les biais du discours. La parole sera l'outil qui valorise non seulement les objets collectés par Highway, mais aussi ses balades par Ekatepec. Il semble pertinent de mentionner que, contrairement à la culture états-unienne, au Mexique, il n'y a pas une figure de commiseur-priseur en tant que tel, ce qui est quelque chose de plus au courant chez les voisins du Nord, en pensant au Livestock Auctioneer, de telle sorte que le métier des Highway est un calque inspiré de la culture états-unienne, une tropicalisation au sens économique du terme, c'est-à-dire une tentative d'adaptation qui reflète un système économique et social dans un autre contexte. Ce n'est par hasard que Highway est commiseur-priseur, car étant un personnage donquichotesque, il doit nécessairement se consacrer à un travail déconnecté de la réalité, bien sûr toujours avec un grand sens de l'humour. Si la littérature et la chronique sociale anglaise et française du XIXe siècle traite les répercussions et les caractéristiques sociales de l'industrialisation. De même, le roman « The Story of My Teeth » présente une image implicite des transformations de l'industrie au Mexique. La naissance des Highway coïncide avec l'impératif du Mexique des années 1940, l'industrialisation. Le pic de travail du personnage de notre personnage dans Lucine, de Jules Houmex, a duré près de 30 ans. Et le déclin de travail a commencé dans les années 1980, lorsque commence ce qu'on appelle la transformation contemporaine la plus importante de l'industrie mexicaine. La même qui entraîne des licenciements et du chômage. Précisément, l'accumulation de cours de Highway et sa carrière de commiseur-priseur correspondent à la reconversion ouvrière à laquelle le secteur de travail a été confronté entre les années 80-90. Son déménagement à Ekatepec symbolise aussi l'exode des années 1980 de la capitale vers la périphérie où le logement était plus accessible. Les crises d'économie et de l'industrie génèrent une augmentation de travail informel et autogéré qui est exercée tour à tour par le protagoniste en tant que commiseur-priseur. De même que Roberto Walser, un autre personnage, scribe de l'autobiographie dentaire de Highway et première guide de touristes de Ekatepec. Encore une fois, un clin d'œil comique ou pas sur le développement de l'industrie touristique et la valeur des espaces. Et j'arrive à la conclusion. Ekatepec est quotidiennement représenté par la presse mexicaine comme l'un des espaces les plus dangereux du pays. Et j'avance un peu.
Et c'est un espace méconnu et ignoré, mais qui récemment a été utilisé par des étrangers pour mettre en scène des séries ou des films post-apocalyptiques ou dystopiques, hein, comme les films Elysium avec Matt Damon. Ce que verrait quelqu'un qui traverserait la ville de Catepec serait capable de distinguer une vaste agglomération des maisons disparates faites de ciment, un espace gris qui n'invite pas à être parcouru, l'étalement urbain qui se répand librement dans toutes les capitales du monde. Des lieux comme Ecatepec demandent à être mesurés avec d'autres codes esthétiques, avec le regard qui est dû aux périphéries des grandes villes et qui reflète l'abandon ou l'indifférence des systèmes économiques discriminatoires. Il faut dire qu'Ecatepec et ses habitants méritent des représentations hétérogènes, comme tout autre espace. J'avance un peu. En conclusion, nous pouvons affirmer que Valeria Luiselli utilise un large éventail d'éléments, dès la conception du roman, la diégèse, à la construction du livre pour répondre aux problématiques proposées par le curateur de la Fondation Jumex. Ses ressources lui permettent de fictionnaliser et de donner une identité et une présence littéraire à Ecatepec de Morelos, tout en présentant les conséquences de l'industrialisation dans les zones périphériques d'aujourd'hui. Et en construisant ainsi une esthétique de la précarité. Si l'on pose un regard qui englobe l'ensemble des écrits de l'auteur, on verra que les fils transtextuels qui s'établissent d'une œuvre à l'autre, l'un des fils, est la fondation des lieux et la manière dont les discours du présent et du passé, les discours silencieux et les discours hégémoniques, etc., s'échevauchent, coexistent et à travers ce dialogue continu, ils se construisent, s'enrichissent ou se vident de valeur. Dans ces romans, outre les dix questionnements spatiaux qui encadrent la sémence de l'ombre œuvre elle-même, une question économique se conjugue accompagnée d'un fond environnemental et donc The Story of My Teeth peut être placée sur le prisme de l'éco-critique. Les périphéries des grandes villes sont rarement la scène des grandes épopées littéraires. Cependant, The Story of My Teeth flirte à la fois avec ce genre et avec la satire et la picaresque en suivant l'esthétique baroque et de l'aphorisme de Gracien, donc un écrivain espagnol. C'est une ouvrage courte et bonne. Voilà, merci. Quelques images du roman, voilà l'espace et les pieds de page, hein, donc qui fait référence aussi aux écrivains T.S. Eliot, Lewis Carroll. Donc voilà. On parlera après. Merci.